Les sœurs jubilaires, vous avez les chaises qui vous attendent aussi, juste devant. On vous attend aussi. Je n'ai jamais retrouvé le père Maigret. Oui, mais bon, j'essaie de pas passer. Oui, voilà, donc il y a une bonne.
Jean-Monique, Jean-Monique, il arrive là. Il arrive. Avec toutes les sœurs de la province de France, révérende mère générale, sœur assistante, et sœur jubilaire, vous les prêtres, les amis et les invités, à l'occasion des 325 ans de notre fondation, nous vous présentons un grand spectacle. Donc, voici l'ouverture.
jour, Seigneur, nous chantons tes louanges. Tu nous aimes toujours et partout. Ton amour nous a donné l'existence. 325 ans de grâce. D'un amour éternel, tu as conduit tes filles dans leur marche, à travers tant de hauts et de bas, tant de tempêtes, à travers l'espace et le temps, jour et nuit, tes filles continuent de t'adorer et de te vénérer. Maintenant, en union de cœur avec toute la congrégation, nous te chantons notre hymne d'action de grâce. Sur les chemins, ton esprit nous emporte au loin. Nous ne croyons plus en nous-mêmes, mais en ta force infinie. Notre seule mission, c'est de témoigner de ta présence, d'être instrument de ton amour, en vivant dans la joie, la solidarité et le partage. Circonstances, dans le bonheur ou le malheur, dans les larmes ou le doute, l'amour anime et comble nos cœurs. Chantons, rendons grâce, soyons échos d'allégresse pour continuer d'écrire inlassablement l'histoire des sœurs de Saint Paul afin que vienne le règne de Dieu. De la congrégation. Une histoire tissée de peine et de joie, d'espoir et d'épreuve. Tout cela forme le mystère pascal du Christ.
assumons notre histoire pour la conclure à sa Pâque. Un simple rappel de nos origines est insuffisant pour définir notre congrégation qui a plus de 3 siècles d'existence. Nous essayons aujourd'hui de retrouver l'esprit d'audace qui animait Père Louis Chauvet et nos premières sœurs. Père Louis Chauvet est arrivé à Levéville durant des temps difficiles. Homme de prière, missionnaire, pauvre, humble, portant le souci pastoral et de l'Église. Sa vie fut comme un phare pour ceux et celles qui marchaient dans l'obscurité de ce monde. Mademoiselle Marie-Anne de Tilly et les premières sœurs peignent des torches brillantes dans la nuit. On priait, travaillait, souffert, tout supporté par l'amour du Christ et se sont donnés sans réserve. De l'épanouissement actuel de la congrégation. Pouvait-il imaginer de tels fruits? À leur suite, se relevant toujours après les tempêtes, les sœurs de Saint-Paul ont continué courageusement leur mission jusqu'à aujourd'hui. Ensemble, nous les retrouvons à travers les différentes scènes de ce spectacle. Prêtre de Dieu au cœur de feu, Père Louis Chauvet. Pressé par l'amour du Christ, sensible aux signes des temps. Des filles de Levéville, Marie-Anne de Ty. Le travail a perfectionné 4 filles dans la lecture
l'écriture et dans la piété. Je quitte le monde pour me donner à Dieu, au bien de l'Église et à l'utilité du prochain. La première page de notre existence est écrite. Il est tissé par des filles de Saint-Paul dans le monde.
de Tilly et ses compagnes, beaucoup d'autres décident encore aujourd'hui de tout quitter pour suivre le Christ et servir leurs frères sous tous les horizons. Nous sommes nés dans le grand vent de Beauce, dans une France malade, mais secouée par l'esprit des besoins du temps et de la volonté des ministres de l'Église. Nos fondateurs ont paru, puis disparu très vite, n'ayant guère le temps d'imprimer leur marque personnelle sur la jeune communauté. Aujourd'hui, plus de 4000 sœurs servent de multiples manières leurs frères dans environ 40 pays du monde. L'histoire des sœurs de Saint-Paul de Chartres s'étend sur 325 ans. C'est une longue histoire d'amour, écrite de façon mystérieuse et cachée dans le cœur de milliers de femmes. La charité s'accomplit par des actes. C'est elle qui nous inspire à nous, filles de Saint-Paul, le dévouement au prochain que nous portons jusqu'au sacrifice. Nous sommes consacrés à la charité afin de multiplier les adorateurs de Jésus-Christ. Les personnes dont nous sommes chargés sont formées à l'image de Dieu. Leur âme est le prix de son sang. Ont de défauts, plus nous devons en avoir compassion. Il ne faut pas faire attendre les pauvres et les malades. C'est un honneur pour nous de les servir. Nous devons le faire avec un grand respect. La vraie piété est toujours gaie, franche, aimable, elle n'a rien de guindé. Nous espérons de la miséricorde de notre Seigneur que nous ne vivrons que pour lui et pour les chers petits êtres qu'il nous confie, nous dépassant entièrement pour son amour et pour sa gloire. Incarnées dans le pays où elles vivent, les sœurs de Saint-Paul en épousent les peines et les joies. Elles en vivent les douleurs. Elles pensent les plaies, s'efforcent d'aider l'enfant à devenir un homme conscient de lui-même, de ses devoirs et de ses droits. Toujours, elles annoncent Jésus-Christ. Et par une étonnante merveille, ces filles de toute race se retrouvent véritables sœurs, toutes animées d'un même esprit. L'esprit de Levéville, qui est si simple, qui l'anime de l'intérieur, qui est si pauvre qu'il pousse à aborder toute misère, qui est si fraternel que c'est une joie de penser à ses sœurs, une joie plus grande de les rencontrer. Pour annoncer la joie de l'Évangile.
était tellement forte que l'on ne pensait jamais autant d'obscurité. Les causes des bouleversements, des guerres, de même que leur impact sur la vie et l'apostolat, parfois les immergeaient dans les ténèbres.
vivant qui donne tant de fleurs et de fruits. La source coule toujours qui désaltère tant de soif. Est toujours présence, malgré les difficultés, les imprévus, les épreuves de toutes sortes. Nous célébrons ces 325 ans de vie dont l'histoire n'est pas achevée. Elle commence. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. L'esprit de charité, amour vivant de Dieu Trinité, veille toujours sur l'humble semence, devenu un grand arbre aux fruits nombreux et savoureux. Déjà, le deuxième quart du quatrième siècle s'ouvre. Sorti des mains de Dieu, l'avenir vient vers nous. À l'ouvrage, partons. Devenons des apôtres dans l'espérance et la confiance. Tu es mon Seigneur, si grande est ta beauté, Dieu de splendeur, ton nom est révélé. Jésus Sauveur, aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Tu es tout pour moi, c'est toi qui m'as choisi. Mon Dieu, mon roi, tu me donnes la vie. Je crois en toi, aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Mes désirs, mes rêves, mes joies, c'est toi mon avenir. J'ai foi en toi. Aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Sauveur divin, ta parole convertit. J'en ai besoin. Tu es créateur, tu es rédempteur, que ton esprit règne.
Seigneur, je pense que envoie-nous des jeunes qui viendront vivre avec nous le bonheur d'être sœurs de Saint-Paul de Chartres. On peut le dire. Alors, je vais vous lire le petit texte que je dois lire. La société occidentale vit une pente mutation. Il y a des grandes surfaces de distribution, des centres hospitaliers, des groupements scolaires. Ils cherchent tous une plus grande efficacité dans l'association de leurs valeurs et de leurs pouvoirs. L'Église prend conscience qu'elle est le peuple de Dieu et elle se structure. Les laïcs devenus responsables dans la vie de l'Église s'assemblent autour de leur évêque, auprès des prêtres dans les paroisses, et ils aident à maintenir la vie chrétienne dans les lieux défavorisés. Et comme pour laisser aux laïcs la possibilité de prendre leur place, les vocations religieuses en Europe sont devenues moins nombreuses. Mais les sœurs de Saint-Paul continuent d'exister et ne manquent pas de dynamisme comme nous venons de le voir. Pareillement, elles s'insèrent dans le tissu social, elles prennent leur rôle dans l'Église, enseigner avec le souci des moins favorisés, soigner les malades et les vieillards dans les maisons spécialisées ou chez eux. Et faire surtout connaître Jésus-Christ aussi loin qu'il se peut dans les paroisses de campagne dépourvues de prêtres, près des jeunes qu'il faut rejoindre sur leur route pour les accompagner dans leur recherche de Dieu tout au long de leur pèlerinage. Devinez ce qu'il faut faire là où l'on est aujourd'hui et aller, conduite par l'espérance qui éclaire notre route. Belle mission à toutes mes sœurs. Et soyons dans l'action de grâce pour ces 325 ans et continuons la route avec des jeunes. Avec vous toutes qui venez de 8 pays différents. Voilà. Les sœurs aujourd'hui ici à Chartres, elles viennent du Vietnam majoritairement, mais elles viennent aussi de Corée, des Philippines, de Madagascar, de Thaïlande, du Japon, voilà, 8 pays. Haïti, j'ai oublié Haïti. Congo, non, Cameroun et Centrafrique, déjà. Thank you.
Seigneur qui a protégé notre spectacle. Je crois que la pluie va bientôt arriver. Alors j'invite Mère Générale, venez dire merci aux sœurs. Venez, venez, venez. Venez, venez. Venez, venez. Missionnaires en France, 60. Wow. Alors, merci, nos sœurs. Merci, vraiment. C'est formidable. Hein? De partout, les Vietnamiens, de danser, hein? D'animer, de paroisse aussi. Toutes les provinces, c'est comme vous, et c'est animé pour tout le monde. Tous les nos sœurs, c'est l'âgé, c'est le malade. Grand, grand merci, nos sœurs. Et merci, Monseigneur, présent ici, et tout le monde. Grand merci, vous venez de Rouen, n'est-ce pas, de loin. Donc, merci, Seigneur, on se protège. D'abord, donnez le bon temps. Et c'est seulement, je veux dire, grand, grand merci. Continuez de prier pour nous. Nous continuons à travailler pour le Seigneur, pour le diocèse, pour la paroisse. C'est un grand, grand merci. Merci. Merci.
notre année jubilaire, nous allons planter des arbres. Ah. 325 arbres dans la congrégation. Ah. 15 arbres en France. Mais ce n'est pas la saison de planter les arbres, on les plantera fin octobre, début novembre. Voilà, on vous invitera dans nos paroisses pour planter nos arbres des 325 ans. Voilà, merci à tous et puis bonne route de retour à chacun. Merci. Thank you.
de jaune, pouvons éteindre la mes espoirs, mes désirs, mes rêves, mes joies, c'est toi mon avenir, j'ai foi en toi, aujourd'hui tu m'appelles pour une nouvelle. Tu es le chemin, la vérité, la vie, sauveur divin, ta parole convertie, j'en ai besoin, aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Jésus vivant, Jésus vainqueur.